Merci Myriam. Oui, alors je m'appelle Catherine Dailly, j'habite à Montpater. Je suis militante au Parti communiste depuis de nombreuses années et je suis nouvellement conseillère départementale de l'Oise. Donc on m'a proposé donc d'être conseillère départementale et j'estimais que j'avais un rôle à jouer en tant que communiste et en tant que femme aussi, parce que depuis peu de temps il y a la parité et je pense que ça c'est aussi une avancée. C'est aussi une avancée pour les femmes de pouvoir un peu faire de la politique, s'y intéresser, parce qu'on s'y intéresse. Hein, quand on travaille, on s'y intéresse. Aussi, quand on est dans son quartier, on s'y intéresse. Je suis donc élue au département. On est face à une situation nouvelle parce qu'on n'a plus une majorité de gauche. Donc c'est la droite qui est majoritaire et on commence à voir malheureusement les effets de la droite avec une politique d'austérité, avec des suppressions de postes au sein du département, avec des services en moins, des services publics en moins à la population. Et donc voilà, dans ce cadre-là, je pense qu'on a un rôle à jouer, nous les élus communistes, pour défendre des positions, des valeurs et puis empêcher cette situation d'austérité en permanence, qui en rajoute une louche de plus sur les gens qui sont en difficulté. Oui, moi j'aimerais bien qu'à l'issue de ce congrès, il y ait vraiment une dynamique de lancée. Parce que on est dans une situation là, je trouve qu'on est un peu dans une impasse. Il y a des candidatures qui se dégagent. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des présidentielles, mais il y a aussi l'attente des gens. Il y a un mouvement social qui se développe par rapport à la loi El Khomri, mais bon, moi j'ai assisté à des nuits debout. Il y a autre chose derrière, les gens ont vraiment envie de changer de société, cette société qui met à mal tout le monde, ils veulent autre chose. Donc moi j'attends qu'il y ait vraiment une dynamique par rapport à ce congrès et que vraiment après on aille à la rencontre des gens, mais vraiment motivés pour demander l'avis des gens, pour les mettre dans la bataille, etc.